chers élèves, voilà deux photos qui représentent deux enfants qui souffrent. L'enfant A, elle est atteint de marasme nutritionnel, qu'on va expliquer tout à l'heure. Et l'enfant B, elle est atteint, comme vous voyez, de kwashiorkor. Donc, retenez bien, le kwashiorkor, ça résulte de quoi? D'une alimentation qui est pauvre en protéines. Je le dis et répète. Surtout les acides aminés essentiels, qui jouent un rôle consécutif à la fin du sevrage d'un enfant. Donc, par quoi se caractérise cette maladie de kwashiorkor? Par les symptômes suivants, on regarde un retard de croissance, comme vous voyez, un retard de croissance, un œdème, un retard de croissance, un œdème des membres inférieurs. OK? يعني أديمة انتفاخ الأطراف الوجه انتفاخ الأطراف والوجه نتيجة احتفاظهما بالماء. يعاني أيضا الطفل من شعر جاف كما تلاحظون ومتساقط ويعاني من جروح جلدية. إذن هذه أعراض مرض الكواشيركوك. Je le répète. Donc un retard de croissance, un œdème de membres inférieurs et un ballonnement abdominal. Donc, vous devez retenir ces symptômes-là. Donc, premier symptôme, un retard de croissance, un œdème des membres, intifakh al-atraf al-soufla, et un ballonnement abdominal, intifakh ala mustawa al-batn.